Bérénice, normalement, qui gère la première page, mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc moi qui vais introduire la conférence. En tout cas, je vous souhaite bienvenue pour cette conférence programmée dans le cadre de la première page 2024. On remercie les archives de nous accueillir. C'était facile pour vous garer. C'est bien pour ça. C'est génial. Alors, peut-être des gens qui tournent, je ne sais pas. Je voulais quand même rappeler les objectifs de la première page. Je ne sais pas si vous étiez au lancement en mars. J'avais dû déjà les énoncer, mais on va les rappeler. Réduire les inégalités en matière d'accès aux livres et à la culture de l'écrit. Sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants aux livres. Renforcer les liens privilégiés entre parents et enfants. Je pense qu'on va en parler. Favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance. Valoriser la littérature jeunesse. Alors, l'opération première page, nous l'organise côté Savoie depuis 2010 et depuis donc 2 ans. C'est la deuxième année que c'est ouvert sur la Haute-Savoie. Donc on est très content d'accueillir des collègues de la Haute-Savoie sur ce type de format en tout cas. Pour 2024, je redonne les chiffres, c'est 11 420 naissances. Alors c'est des naissances de 2023 ou adoption. Il y a 512 structures qui participent. Allez, un petit test. Y a-t-il plus de bibliothèques ou plus de structures petite enfance? Plus de bibliothèques. Plus de bibliothèques? Non, moi j'aurais dit l'inverse. Ouais. Ah, bah écoutez, 255 bibliothèques, 257. On va dire que ça s'équilibre. C'est quand même pas, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est une belle participation, c'est une opération qui nous tient à cœur et on s'en réjouit. Et nous, de notre côté, bah, c'est 7500 albums qui sont voilà, distribués dans toutes vos structures, dans toutes vos communes. Alors, l'album retenu en 2024, vous le connaissez un peu? Voilà, il est là. De quoi ça parle, je ne sais pas. Peut-être on en aura un peu tout à l'heure. Donc, Pouy, qui est le petit oiseau, Pascal. Pour le texte et Laetitia Le Sou pour l'illustration, édité chez Didier Jeunesse. Donc, après cette remise en contexte, j'ai le plaisir, vous, d'accueillir donc, Sophie Iñakiti pour cette conférence. Il était une fois une histoire de rencontre. Voilà. Alors, vous êtes. Psychologue, chercheur en psychologie, spécialiste de la petite enfance. Vous intervenez régulièrement dans des journées pédagogiques ou colloques sur des questions liées à la petite enfance, à l'éveil culturel et à l'accompagnement parentalité. Vous avez écrit de nombreux textes autour de ces questions, notamment en 2019, un article dans la revue Enfance et Psy intitulé De l'objet à l'histoire, le livre dans le développement de l'enfant. Donc, je vous invite à aller découvrir l'article, on peut le trouver hein, sur Internet. Coécrit avec Marie-Paul Tolon. Et en 2022, vous avez publié aux éditions RS l'accueil en crèche de A à Z. Alors, ça va en intéresser certains. Vous voulez peut-être une bibliothèque professionnelle, je ne sais pas. Donc c'est un abécédaire, alors ça va bien avec la petite enfance. Hein. Et moi j'ai relevé qu'à H, c'est H comme histoire. Et on retrouve la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi les enfants aiment-ils autant les livres? Est-ce si important de lire avec les tout-petits? Et bien sûr, beaucoup d'autres questions pendant ce livre. En tout cas, mais, je vous propose de reprendre au commencement. Il était une fois. Une histoire de rencontre. Sophie Iñaki. Merci. Je ne sais pas si on a besoin d'utiliser le micro. On dirait, vous qui êtes tout au fond, s'il y a besoin, je crois qu'il marche pour un bien marcher.
Donc, un grand merci pour l'invitation à parler aujourd'hui auprès de vous sur ce territoire. J'étais déjà venue il y a quelques années avec Céline Ferrer du Bout de Lire. On avait parlé aussi d'une place de la parentalité. Je ne sais plus où on était exactement. Mais voilà, je suis ravie de revenir et de tirer un fil un peu nouveau, c'est-à-dire que nouveau dans la manière dont moi je vais parler aujourd'hui, qui est justement cette question du lien. C'est-à-dire qu'est-ce que le livre, dans le développement du tout petit, permet de cette mise en lien. Mais avant de démarrer, je me dis que ça peut être chouette qu'on commence par l'histoire de Quick et le petit oiseau qui vous a accompagné du coup toute cette année. Parce que de cette histoire-là, je vais vraiment en tirer des fils de ce que ça m'évoque du point de vue de ma place de psychologue. Et pas que de cette place-là, parce que je trouve important aussi de vous dire que je suis membre d'une association lyonnaise qui s'appelle La Livre Ouvert. L'objectif est d'amener le livre et la lecture aux enfants, essentiellement des tout-petits, mais pas que, et leurs parents. On essaye beaucoup de travailler autour de l'axe de la parentalité. Et moi, de cette place-là, je suis aussi amenée à lire. Donc, je trouve ça intéressant de dire que je ne suis pas qu'à une place de psychologue. Je suis aussi à une place de psychologue lectrice. Et je trouve que ça modifie la manière dont je peux percevoir parfois aussi des situations. Et le petit oiseau, Pascal Quéniac, Laetitia Luzzo, aux éditions Didier Jeunesse. Oui, et le petit oiseau. Rien n'est aussi doux que le premier bisou. Entre un petit oiseau et pouic, le canard doux. Chante, chante, chante de bon matin. Pouic, pouic, réveille tout le jardin. Une, deux, trois, bonjour les fourmis. 4, 5, 6, bonjour les guillemets. Sur une fleur de carotte, une coccinelle ouvre ses ailes, tourne, tournicote. Toc, 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 sur sa brindille, monsieur l'escargot sort de sa coquille. Rien n'est aussi beau qu'un chant de coquelicot pour Pouic et le petit oiseau. Le petit piou-piou bat des ailes, le grand Pouic s'émerveille. Vol, 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 petit oiseau s'envole. Hop, hop, mais jamais vraiment. Une chenille par-ci, tiens, il est midi. Un papillon par-là, et c'est déjà la nuit. Quand le soleil chauffe sous le cerisier, Pouic et le petit oiseau, pic, pic, picore les fruits sucrés. Souffle, souffle, souffle le vent, passe, passe, passe le temps. Rien n'est aussi beau qu'un chant de coquelicot. À l'abri des orages, dans un jardin nuage. Alors, il était une fois. Il était une fois, justement, ces rencontres. Ces rencontres entre un tout petit et un lieu. Ce qui est déjà indispensable à cette rencontre, c'est d'emblée une question de lien, parce que ce tout petit n'est pas seul. Il ne peut pas être seul dans sa rencontre avec le livre. Pour ce tout petit, si le livre n'est pas accompagné par l'adulte qui est là avec lui, ça ne reste qu'un objet parmi tant d'autres. Donc il ne saura pas saisir les codes, les usages. Ça n'inscrira pas le livre comme objet culturel. Ça restera pour lui un objet très intéressant, mais un objet à manipuler, un objet à découvrir, un objet à tester, un objet à mâchouiller, un objet à jeter. Alors ils le font aussi, hein. Mais à un moment donné, l'adulte est là pour lui dire que dans le livre, il y a des histoires. Et en ce qui me concerne, j'adore les histoires. Et je voudrais du coup aujourd'hui vous raconter celle fascinante d'une rencontre entre un bébé et un album. Donc comme Pouic dans Pouic et le petit oiseau, la vie du jeune enfant est rythmée par les rencontres avec l'autre, que cet autre soit une personne, un environnement, un objet. De ces rencontres multiples se déplient des fils de pensée, se tissent des liens et se développe une compréhension du monde.
Le livre, l'histoire, la parole adressée au bébé le porte donc dès ses premiers instants de vie et ne cesseront de le bercer au fil de son développement. Je dis dès ses premiers instants de vie, c'est pas vrai. Même dans sa vie intra-utérine, alors c'est déjà en fait une partie de sa vie, mais avant la naissance même, le bébé tisse un lien avec le fil mélodieux de l'histoire. Il y a une pédiatre, alors là le nom ne me revient pas tout de suite, mais je pourrais vous le refaire passer si ça vous intéresse, qui s'est beaucoup intéressée à comprendre justement qu'est-ce que ces bébés dans leur vie intra-utérine peuvent déjà par leurs compétences découvrir. Donc on sait qu'à partir de 24 semaines d'aménorrhée, l'audition est déjà à l'œuvre pour le tout petit. Alors il entend comme une cavité sourde, il entend les bruits d'une manière particulière et la voix de sa mère résonne en tout cas, il y a beaucoup de résonance. Mais elle a pu montrer que si une mère lit toujours la même histoire pendant 6 semaines, régulièrement, quotidiennement, le bébé à sa naissance reconnaît l'histoire qui a été lue. Je trouve ça formidable. Ça montre bien que le bébé, avant même sa naissance, est tout équipé pour être porté par ce bain de langage et par le rythme. Vous voyez, quand je lis Pouic et le petit oiseau, vous l'éprouvez, mais ce n'est pas mon rythme classique de parole. Il y a des moments plus rapides, il y a des moments plus calmes, et certainement si je refais la lecture, ce sera modulé. On ne fait jamais deux fois la même lecture. Mais de ça, le tout petit, il a les compétences pour s'enrouler, ou en tout cas se faire porter par ce bain de langage. Donc, cette lecture de Pouic et le petit oiseau, quand il m'a été envoyé pour préparer cette conférence, il m'a amené vraiment à penser la question de la rencontre. La question de la rencontre avec l'objet livre et la question de la rencontre de l'autre, cet autre adulte lecteur. Alors, parents, on va cheminer évidemment dans cette relation de parentalité autour de l'album, mais pas que. Pas que parce que ce tout petit, il peut aussi entendre des histoires par ses frères, ses sœurs, la bibliothécaire, la voisine, la grand-mère, le grand-père. Toute personne qui entre dans cette histoire où on est trois, un adulte, un enfant, un album, permet à ce tout petit de tisser une compréhension aussi, non seulement du livre, mais une compréhension plus globale. On en reparlera. Et du coup, tirer donc trois axes, cet axe de la rencontre et du lien dans les albums, la question de la rencontre de l'autre, et le troisième qui est la rencontre de soi. Comment les livres, et ça c'est valable pour les tout petits mais c'est valable à tout âge, ils permettent de se rencontrer. Comment ils se mettent en écho avec sa vie intime, c'est pour ça qu'il y a certains livres qu'on adore et d'autres qu'on déteste, parce qu'ils viennent se mettre en miroir d'un vécu. Ce bébé, il a beau avoir quelques jours, quelques semaines de vie, il a déjà tout un vécu. Il fait partie d'une histoire familiale, il fait partie d'une histoire lui-même dans sa vie intra-utérine. Et puis après, il découvre des sensations, des odeurs. Mais du coup, comment ça vient aussi s'inscrire, nourrir cette relation avec le « en dedans » ? Donc aujourd'hui, on va naviguer entre ces relations du en dehors ou du entre nous et aussi ces relations du en dedans. Hein, donc, vous aurez un temps, ça je ne l'ai pas dit, mais vous aurez un temps de questions à la fin. Maintenant, si vraiment il y a quelque chose de très vif et que vous voulez vraiment poser une question là tout de suite ou réagir, ça ne me pose aucun souci. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui vous vient, vous n'hésitez pas et on peut sans dire quelque chose déjà à cet endroit. Donc cette rencontre avec les albums déjà, hein, parce qu'effectivement, c'est de là que tout part dans la rencontre avec le tout petit. Je trouve toujours très intéressant de resituer un chiffre, alors que j'avais moi mis au travail, donc
Teddy, j'ai fait un doctorat, donc j'ai fait une recherche en fait sur la thématique du livre et du livre dans le lien notamment parent-enfant. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment, à un moment donné, le livre est un livre et le livre n'est plus un objet comme les autres. À quel moment l'enfant, dans son développement, comprend qu'il y a quelque chose de particulier, que le livre, il porte une histoire qui peut être en texte ou une histoire qui peut être en image, ou une histoire qui peut être dans la confrontation des deux aussi. Et du coup, ça m'a amené à interroger des familles. Donc, dans le cadre de cette recherche, je suis allée interroger des familles accueillies en crèche. Je ne voulais pas aller à la bibliothèque en me disant, bon, ceux qui franchissent déjà le pas de la bibliothèque, on peut s'imaginer que potentiellement, dans leur rapport au livre, il y a déjà quelque chose de plutôt tranquille. Et trouver des tout-petits avec leurs parents, ben, ce n'est pas si simple. Il y en a beaucoup qui échappent, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas accueillis dans des lieux collectifs. Il y a des enfants qui sont gardés dans la sphère familiale. Donc, la crèche, c'était un bon compromis. Donc, on a essayé de développer ce qu'on appelle un échantillon suffisamment représentatif de la population, donc en allant dans des crèches de plusieurs départements, de plusieurs secteurs géographiques, pour essayer de voir déjà concrètement dans la rencontre avec le livre, où est-ce qu'on en est. Il y a deux chiffres que je trouve particulièrement intéressants quand on s'intéresse à ce public spécifique de tout petit. Le premier chiffre, c'est que pour près de 23% des enfants de moins de 3 ans, il n'y a pas du tout de lecture partagée à la maison. Ça, c'est ce que les parents disent. Les parents disent donc, dans cette population-là, donc c'était il y a un petit moment, peut-être que ça a évolué, j'ai un petit moment, c'était en 2016. Donc, il y a 23% des enfants pour lesquels il n'y avait pas de lecture partagée. Il y a trois raisons qui reviennent essentiellement. Je suis sûre que vous pouvez m'en donner quelques-unes. Le manque de temps. Le manque d'intérêt pour le livre. Il est trop petit. Alors, le rapport au livre et le propre rapport au livre du parent. Et il est trop petit. J'entends l'intérêt dans ces trois côtés. Donc il y a encore à travailler sur cette question-là qu'on n'est jamais trop petit. Et du coup, plus l'enfant avançait, et plus ce chiffre il avait tendance à baisser. Et plus l'enfant était petit, et moins il y avait de temps de lecture partagée. Donc ça, moi je trouve ça déjà un chiffre intéressant, parce que ça nous permet des fois de faire le pas de côté. En disant, attention, sur la population globale, en fait, il y a certains enfants qui arrivent à l'école maternelle et qui n'ont pas beaucoup manipulé le livre. Ça, on y voit, nous, à l'assaut, parce qu'on va lire vraiment en toute petite section. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont des fois lire en petite section de maternelle ou en toute petite section de maternelle. Un enfant qui n'a pas eu de livre, on le voit assez vite parce qu'en fait, il ne sait pas quoi faire avec ce truc. C'est assez étrange. Hein? Soit il est craintif et puis il ne va pas trop s'approcher de ce qu'on lui propose, soit au contraire, il va être plutôt dans un enjeu vraiment d'objet, hein, de vouloir vraiment le tourner dans tous les sens. Donc, il y a vraiment encore du côté de la prévention, d'où l'intérêt de ces programmes-là où on peut justement sensibiliser les familles, à travailler sur comment les enfants, ils peuvent entrer dans les livres, parce que ce que je vais travailler, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est à partir du moment où l'enfant rencontre le livre. C'est là aussi où du coup... je trouve important de le dire parce que ce n'est pas valable pour tous les enfants ce que je vais raconter. C'est valable pour les enfants qui ont déjà cette expérience littéraire. La deuxième raison, c'est le manque de temps, on me disait. Alors moi, quand un parent me dit « j'ai pas le temps », moi j'entends plutôt dans le temps qui m'a imparti, c'est pas quelque chose de prioritaire. Pour plein de raisons, certaines très, très, très justes. Mais ce n'est pas une question de temps de la montre. C'est une question que dans le temps, ça, ce n'est pas une pratique installée. Et la troisième raison, c'est des parents eux-mêmes qui sont en difficulté avec le livre et la lecture. Et ça, on y verra, parce que dans le cadre de la relation de lecture par enfant, le propre rapport du parent au livre pour lui-même et à la littérature jeunesse pour son enfant, elle va être déterminante aussi de la manière dont ça va se créer, des attentes inconscientes qui sont mises aussi dans ce temps-là.
Mais ça, c'était le premier chiffre que je trouvais intéressant. Le deuxième, il est aussi très intéressant, mais c'est que pour cette population-là des 0-3 ans, il y avait 9,3 exactement pour cent des enfants qui n'avaient pas du tout de livres dans l'environnement familial, pas du tout de livres jeunesse dans l'environnement familial. Donc il y a un delta entre ce 23% et le 9%. Et bien c'est ces enfants qui ont des grands frères, des grandes sœurs, donc il y a des livres jeunesse, mais ce n'est pas destiné à eux, ce n'est pas eux qui sont directement sollicités quand on propose une lecture. On va proposer une lecture au grand frère, à la grande sœur. Si l'enfant est là, tant mieux, mais ce n'est pas le destinataire principal. Oui. Donc il y a aussi à resituer effectivement des choses de cet ordre-là. Mais ce qui est plutôt intéressant dans cette rencontre du coup et du lien avec l'album, c'est qu'une fois que c'est installé, ça permet vraiment à l'enfant de rencontrer un monde particulier. C'est-à-dire que les albums, on l'a dit avant, c'est très intéressant parce que ça nous permet à la fois d'être dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire ben voilà, je vous fais une lecture partagée, on est ensemble dans l'ici et maintenant, mais on est aussi tout à la fois dans un ailleurs. On est aussi dans un ailleurs avec des rencontres, avec un fil de l'imaginaire, avec quelque chose aussi qui nous amène à être dans le lien avec beaucoup plus large que nous. Donc c'est le lien aussi avec cette histoire et le monde littéraire. Donc ça c'est intéressant parce que ça porte les enfants eux-mêmes dans le lien avec non seulement d'un côté le réel, mais aussi toute cette capacité imaginaire. Le réel, là c'est vraiment cette capacité de l'enfant petit à petit à construire justement cette part de réalité. Ça on le sait, on se le dit souvent, les enfants de 0 à 3 ans, ils ont tout à construire. C'est-à-dire les arbres, le vent, la sensorialité, les couleurs, les relations, il y a vraiment tout. Hein. Et les livres sont un formidable terreau de compréhension pour cet enfant-là, qui va pouvoir aussi, au travers ces histoires-là, être en lien avec quelque chose de beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle l'attention conjointe aussi. C'est ce que, en tout cas, Jérôme Brunner, donc c'est un psychologue, a travaillé autour de cette question-là d'attention conjointe. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'être un peu en société. Ce bébé, il naît, il est un peu en fusion. Il est en fusion avec ses parents, avec sa fratrie. Enfin, il y a quelque chose d'un peu refermé. Hein. On est ensemble l'un face à l'autre. Et puis petit à petit, par l'attention conjointe, c'est la capacité à ne plus être face à face, c'est la capacité à être côte à côte, face au monde. Et ça, ça change tout. Parce que d'un côté, on est en fermeture, et de l'autre, on est en ouverture. Le livre, il permet vraiment de faire ce tiers dans la relation. Il permet vraiment de créer un espace où on est tout à la fois à côté, mais on n'est pas à côté en fusion. Vous voyez, on est à côté et on se parle du monde. On se parle des oiseaux, on se parle des fleurs, on se parle des histoires, on se parle du vent, on se parle des coquelicots, on se parle des fourmis, on se parle du nombre, on se parle de trois petits points. Si on décortiquait tout ce que permet pour un tout petit de tirer comme fil Pouic et le petit oiseau, ça peut être très 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 large. Donc ça permet déjà à ce tout petit de se mettre en lien avec le monde tel qu'il se présente et tel qu'il se l'imagine. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental dans la vie de nos tout-petits. C'est cette étape, ça arrive vers 18 mois à peu près, où vraiment il y a cette amorce de pensée symbolique. Je ne sais pas si ça vous parle, les différentes étapes du développement de l'enfant, mais souvent, en dessous de 18 mois, l'enfant, il est vraiment dans l'ici maintenant. Ce qui va vraiment être intéressant pour lui, c'est vraiment la sensorialité, l'expérience de l'ici maintenant. Et puis, il va y avoir quelque chose de fondamental qui va changer, je vais dire tout, c'est la capacité de représentation. La capacité de représentation, c'est ce qui permet de penser l'absent. Donc, ça change beaucoup de choses.
C'est ce qui permet de penser à bah, justement une histoire, se faire une histoire bah, de je vais faire à manger et puis bah, à la crèche je vais aller chercher une tomate et puis comme ça je vais faire à manger. Voilà, il y a quelque chose qui peut se tisser d'un fil imaginaire. Ça, c'est aussi une manière d'être en lien avec le monde, cette capacité-là d'imagination, cette capacité de penser le monde. Et le livre, il vient soutenir ça. Il vient soutenir parce qu'il offre des expériences aussi autour de ça. Donc, le livre, il permet une rencontre avec un monde littéraire, on en a parlé, avec le monde des histoires en mots, des histoires en images. Et permet du coup une rencontre avec aussi l'illustration. Parce que dans les livres, on parle beaucoup souvent des textes. Bah, l'album jeunesse, la grosse différence, c'est quand même aussi comment ça se répond ou pas, d'ailleurs, parfois, le texte et l'image. Et ce bébé-là, ou cet enfant-là, bah, entre cette illustration ou cette illustration, ou cette illustration, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez, on est quand même sur des champs d'illustration très différents. Donc ça ouvre aussi, ça lui permet de se mettre en lien avec quelque chose de l'ordre du culturel aussi. Quelque chose de l'ordre du culturel qui fait qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre de l'image, du beau. Alors quand je dis du beau, ça veut tout et rien dire. Moi, je ne sais pas pour ce bébé ce qui est beau ou ce qui n'est pas. Je ne sais pas ce qui pour vous est beau ou pas. Je sais déjà pas pour moi des fois. Des fois, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est beau ou si ce n'est pas beau. Parce qu'en fait, c'est très subjectif. Mais en tout cas, ça vient élever aussi quelque chose de l'ordre du culturel. Et là, ça fait entrer dans ce monde-là de l'art et de la culture. Ça me fait penser aux travaux de Sophie Marinopoulos, vous connaissez, hein, sur la santé culturelle. Ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir la petite vidéo Page en partage. C'est très court, c'est disponible sur YouTube, je pense. Et ça fait partie d'un travail interministériel sur la santé culturelle. Et elle dit très bien, Sophie Marinopoulos, que les enfants, ils ont besoin de lait, mais ils ont besoin de mots. C'est-à-dire que, comme nourriture, ils ont besoin d'être portés, accompagnés dans le monde des mots. Et que ces enfants-là, auxquels on ne parle pas, auxquels on ne s'adresse pas, ou auxquels on n'adresse pas de langage suffisamment varié, entre guillemets, ils peuvent souffrir de ce qu'elle nomme la malnutrition culturelle. Ça, je trouve ça très, très intéressant de dire comment le livre, il permet aussi de mettre en lien l'enfant avec quelque chose de cette capacité aussi de penser le monde. Il y a dans les mots, il y a dans les livres, pardon, des mots qu'on ne dirait jamais à l'oral. Moi, je pense souvent à là, je vous le lirai plus tard, mais je veux juste vous montrer si je trouve la bonne page. Pareil. Il faut trouver après les bonnes pages. Mais elle dit, il dit, parce que c'est un photographe, Hardy, bébé Hardy. Moi, dans ma vie de tous les jours, c'est un mot que j'utilise plus, Hardy. Enfin, je ne sais pas vous, peut-être que vous l'utilisez encore. Mais si je n'ai pas avec moi beaucoup de beaux bébés, c'est un mot que je ne dirais plus. Alors que c'est dommage, il est vachement beau ce mot. Et du coup, dans les albums, dans les textes, ça donne aussi à l'enfant une nourriture du côté des mots et de la complexité. Dans le bon sens, hein. Moi j'aime bien les choses complexes. La vie elle n'est pas simple, elle est complexe. Et du coup, dans les albums, bah, y a une complexité aussi en termes de syntaxe, texte de grammaire, en termes de vocabulaire. Donc ça amène aussi des jeunes, des tout jeunes, cet enfant à s'imprégner de la complexité. Ça, de mon point de vue de psychologue, je trouve ça fondamental d'être confronté aussi à cette complexité. Cette complexité dans le sens justement de pas de la difficulté, vous voyez, mais plus de la diversité, de la variété, de la richesse, plus de ce côté-là.
Et du coup, bah, les enfants, ils vont découvrir effectivement un auteur et puis une proposition. Là, on est sur une proposition de photographie. Donc, on voit bien que pour l'ouverture aussi à l'œil, quelqu'un d'extérieur. Alors, c'est déjà super hein, quand c'est quelqu'un d'extérieur à la famille. Ça ne porte pas totalement les mêmes enjeux. Vous avez fait certainement de votre place professionnelle l'expérience de lire à des enfants qui viennent à la bibliothèque ou accueillis en structure petite enfance et de lire avec vos propres enfants, petits-enfants, il ne se passe quand même pas tout à fait les mêmes choses. Et on va justement voir pourquoi. Qu'est-ce que ça vient mettre en mouvement, cette question de la lecture partagée dans la relation entre un adulte et un enfant. Ce qui est très intéressant déjà dans ce temps-là de la lecture partagée, c'est que la situation même de lecture partagée va amener une proximité physique de corps. Le bébé est un être de corporalité qui exprime par son corps et ses mouvements. Donc ça crée une situation déjà où physiquement, il y a un adulte disponible. Ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, ça permet déjà d'emblée de tisser quelque chose de l'ordre de la relation. Quand on lit un livre, généralement, alors il y a l'exception de ces enfants qui sont à peu près vers 22, 24 mois, qui partent, qui reviennent, qui escaladent, on va en parler peut-être aussi. Mais qu'est-ce qui se passe généralement dans la lecture? Ouvrez un livre, ce tout petit va venir à côté, il va vous coller, il va vous monter dessus, il va vous trifouiller les cheveux. Il y a quelque chose de l'ordre du charnel qui s'incarne à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ce temps de lecture partagée, il vient convoquer chez cet enfant-là quelque chose de l'ordre de l'affectif, quelque chose de l'ordre de la relation. C'est un facteur d'attachement, la relation de proximité physique déjà. Donc la lecture partagée, elle permet de se rencontrer à cet endroit-là déjà du physique, de créer un espace où on est disponible physiquement. Et c'est une rencontre où nous sommes minimum trois. Il faut minimum un enfant ou un groupe d'enfants, un adulte lecteur et un album. Et ça, c'est vraiment un triangle dynamique. Changer un des trois éléments, tout bouge. Je suis la même lectrice, je suis avec mon enfant, il ne se passera pas du tout la même chose si je lis les mains de bébé ou si je lis les mains de bébé. Beaucoup de beaux bébés ou si je lis Pouic et le petit oiseau. Parce que l'album, il a une part active. Il va nous faire vivre des émotions différentes. Il va nous faire éprouver différemment. Le format va pousser à peut-être qu'on se positionne pas tout à fait pareil. Alors là, ça marche moins bien parce que j'ai pris que des petits formats, mais c'est lié à mon dispositif. Mais si on a un grand format ou si on a un petit format, ça bouge. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que je peux, moi, être lectrice. J'ai Pouic et le petit oiseau. Si c'est mon garçon, si c'est ma fille ou si c'est la voisine, il ne se passera pas la même chose. Parce que chaque membre du triangle a sa propre part active. Et la part active de l'adulte, donc que ce soit le parent ou que ce soit vous, professionnel, dans cette question de la rencontre avec l'enfant autour de l'album, elle est aussi, je trouve, très intéressante à avoir en tête. Et elle va s'exprimer par différentes manières. Elle va s'exprimer, par exemple, dans vos choix. Qu'est-ce qui fait que je choisis, je ne sais pas, moi, je dois faire un temps de lecture à la crèche. Qu'est-ce que je fais que je choisis toujours ces livres-là? Ou que je choisis jamais ces livres-là? Ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce qu'ils viennent dire de moi? À quelle part de moi ils s'adressent? Moi, je m'intéresse beaucoup en ce moment à ce qu'Albert Sicone, donc c'est un psychologue, un psychanalyste qui travaille sur Lyon, travaille, qui s'appelle la part bébé du soi. Moi, je pense vraiment, pourquoi nous aussi adultes, en tout cas nous qui sommes là dans cette salle, pourquoi on aime autant nous aussi les histoires? Parce que je pense que ça remet en mouvement notre propre part bébé, qui aime bien entendre des histoires, qui aime bien qu'on lui raconte des histoires. Donc le livre, quand je lis tel ou tel livre, il vient s'adresser à différentes facettes de moi.
Il vient s'adresser à ma part bébé, il vient s'adresser à ma part adulte. Pour illustrer ça, je vais peut-être, je vais peut-être vous lire celui-là. Comme d'habitude, j'ai fait tout mon déroulé et comme d'habitude, je ne le suis pas du tout. Donc, le petit bateau de Petit Ours. Petit Ours adorait son petit bateau. Chaque jour, il faisait le tour du lac en rame. Assis dans son petit bateau, Petit Ours pêchait des poissons. Couché au fond de son bateau, Petit Ours fermait les yeux et rêvait. Il était très heureux. Quand sa maman l'appelait pour aller dormir, Petit Ours attachait son petit bateau à la berge et lui disait « Bonne nuit, petit bateau, à demain !» Mais ce qui devait arriver arriva. Petit Ours se mit à grandir. Il devenait grand, de plus en plus grand. Il n'était plus un petit ours. Il était un grand ours et il ne rentrait plus dans son petit bateau. Il essaya tout de même de s'y asseoir une dernière fois, mais le bateau bascula et ils finirent tous les deux au fond du lac. « Où es-tu, mon grand ours ?» appela maman. Grand ours et son petit bateau réapparurent à la surface de l'eau. Oups, puis grand ours. « Tu es vraiment trop grand pour aller dans ton petit bateau, » dit maman. « Le destin d'un petit ours est de grandir et de devenir un grand ours. Le destin d'un petit bateau est de rester un petit bateau. C'est ainsi. » Grand ours était triste. « Je ne peux pas laisser mon petit bateau sans un petit ours pour le faire naviguer, » se dit-il. « C'est le destin d'un petit bateau de voguer sur le lac. » Grand ours se gratta la tête. « J'ai une idée. » Je vais trouver un autre petit ours qui aimera mon petit bateau autant que je l'aime. Et Grand Ours décida de faire le tour du lac. Tu n'aurais pas vu un petit ours ? Demanda-t-il au castor. Non, pas depuis l'époque où toi, tu étais un petit ours, répondit le castor. La loutre non plus n'avait pas vu de petit ours. Mais le héron bleu, lui, en connaissait un. Il habite avec sa maman de l'autre côté du lac, je l'ai vu ce matin. Il mangeait des myrtilles, dit-il. Alors Grand Ours refit le tour du lac. Et il rencontra le petit ours. J'ai un petit bateau pour toi, lui dit-il. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Tu vas grandir, grandir, jusqu'à devenir un grand ours. C'est le destin de tous les petits ours. Le petit bateau, lui, restera un petit bateau. C'est le destin de tous les petits bateaux. Quand cela arrivera, tu devras trouver un autre petit ours qui continuera à faire naviguer le petit bateau sur le lac. C'est promis ? Promis, dit Petit Ours. Pendant tout l'été, Grand Ours observa le petit ours qui faisait le tour du lac en rame. Il le vit pêcher, assis dans le petit bateau. Il le vit aussi coucher au fond du petit bateau. Le petit ours rêvait les yeux fermés et semblait très heureux. Grand Ours aussi était très heureux.